Magazine, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la cinquième émission de YoshiCraft World sur Nintendo Switch. Donc, nous avions fait le pic du Condor avec les niveaux suivants, donc l'exploration de la mine. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Donc, le à bord du train et des aratos et des aimants. Ensuite, on avait terminé également les petites balles qu'on pouvait recevoir avec des pièces, donc pour avoir des costumes Yoshi. Et là, on se dirige donc hop vers un nouveau monde. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Pff, je suis épuisé, si seulement j'avais 15 fleurs souriantes. Et ben on va lui donner. Donc là il va me les avaler. Hop là, et c'est parti. Bon, il nous reste encore 38 fleurs, donc ça devrait suffire. On a 20 pièces. Ah, je revis. Un instant, je libère la route. Hop. Bon, ben ça, il se place et là, il va ouvrir le monde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'amène par ici, dis-moi? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, tu recherches des gemmes. J'ai vu un drôle d'individu en robe bleue survoler la région. Il avait l'air de préparer un mauvais coup. Je me méfierais à ta place. Tu ferais mieux de rester discret tant qu'il est dans les parages. Donc là, on voit une boîte. Ok. Et là, il y a un point d'interrogation. Alors, moi, je vais juste changer déjà de tenue. Donc, j'ai une tenue rouge aujourd'hui, mais on va pas remettre le rouge. Hop, on va faire plus. Et choix du Yoshi. On va changer aujourd'hui, on va choisir une autre couleur que je n'avais pas prise. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, on va prendre le jaune aujourd'hui. Allez, avec le soleil, tout va. Alors, B pour revenir. Ça va pas revenir tout seul. Et on va donc s'occuper de ce monde. Allez, c'est parti. Ok. Et ben on y va. Je sais pas, il y a des points d'interrogation. Donc là, je sais pas à quoi m'attendre. On va voir. Donc là, il y a le chargement. Avec toujours des petits collages. Et on voit donc les méchants affichés. Alors, on voit une petite souris. Alors, il y a la gemme bleue. Donc, on se rapproche déjà d'une gemme. Et la souris se barre avec. Donc, il faut la rattraper. Ici. Une des gemmes est tombée par ici, non? Oui, je suis presque sûr que c'était dans les environs. Go! Ah, voilà Yoshi. C'est pas vrai, comment est-il arrivé jusqu'ici aussi rapidement? Se pourrait-il qu'il ait déjà trouvé la gemme qu'on cherche? On va répondre non. Il n'est pas plus avancé que nous. Débarrassons-nous de lui et reprenons notre recherche. Du calme, on y va. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Je vois un balai. Ah, la sorcière, elle s'en va, Kamek. Quant à toi, je vais te transformer en nourriture pour oiseaux. Ok. Bon, le choix, je pense, n'avait rien à voir dans l'évolution du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la boîte de conserve là qui se transforme. Ouais, on dirait un oiseau là. Hein. Ouais, il y a des ailes. Un oiseau indien. Donc on voit la tête de l'oiseau et j'ai cru voir sur sa tête qu'il y avait un sparadrap. Ok. Allez, tombe. Ouais, c'est bon. Allez, ça c'est bon. Il n'y a pas l'aimant. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, bon, ok. Ça c'est facile à éviter. Il n'y a rien d'autre. Si. Il est où? Ah! Ouh là 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 là.
c'est bon. Bon, ça va, il est pas très compliqué. Pour l'instant, ça va. Donc là, je l'ai énervé, forcément. Hein. Boum. Il va retomber. Ouais. Ouais. Bon, après, en même temps, ils peuvent pas mettre super difficile dès le départ. Hein. Sinon, ça donnerait pas envie aux joueurs de continuer. Oh, merde. Je vais me faire avoir. Aïe. Bah, j'ai perdu de la vie, bêtement. Ouais, bah ouais, là, il me redonne pas de vie. J'aurais pu faire un perfect, je sais pas si ça comptait. Pour les niveaux dits classiques, oui. Alors, bien joué. Il vous montre son petit derrière. Et voilà, donc on a fini avec Yoshi jaune, le Yoshi du soleil. Tu es plus résistant que je ne le croyais, mais c'est loin d'être terminé. Ah, c'est peut-être pas fini. Ou pas, c'est fini. Alors, on voit la petite souris avec la gemme bleue. Est-ce qu'il faut que je lui cours après ou pas? Non, c'est tombe tout seul. Bon, voilà, c'est de l'animation. Donc, j'ai récupéré la gemme bleue. Bah, la gemme du soleil, ça va très bien avec le Sonic. Le Yoshi jaune. Je me trompe de jeu. Donc, Yoshi vert est venu chercher la gemme. Au revoir. Bon, et qu'est-ce qu'il va en faire? Ah bah, il va la ramener dans son village, sur son île. Là, il y a l'île des Yoshi. Alors là, on voit le petit soleil qui est content. Non, pas trop, mais... Attends, t'as déjà une gemme bleue, quoi. Laisse-moi déjà faire le reste du travail. Clac, 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 ouais. Youhou! Ok. Ok, donc on avait le pic du Condor face à l'Alu Condor. Donc voilà, bon, bah, on va arrêter l'émission là. Hein, on va aller vers le jardin origami, l'émission suivante. Donc ça sera l'émission 6. Là, elle était très courte, hein, puisque concrètement, je ne savais pas qu'il y avait que un seul grand maître. Donc je pense que c'est mieux de faire niveau par niveau. Comme ça, au moins, vous découvrez en même temps et ça ne fait pas des grosses émissions. Voilà, bon, bah, j'espère que la vidéo, malgré qu'elle soit courte, elle vous a plu. Au moins, vous avez pu découvrir un grand maître. Et on se retrouve donc pour la 6e émission vers les jardins origami. Allez, ciao, ciao. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous abonner pour les nouveaux abonnés.